peur parce que sa mère a été en santé et tout de suite rejetée par la société. Puis la fille maudite, plus la beauté, donc le nom beauté maudite, elle essaye de trouver un chemin dans cette vie où à chaque fois il y a quelque chose qui provoque son rejet. De la comique Maudit Maudite qui est très célèbre dans les réseaux sociaux, qui a pris le soin de nos lecteurs, il était nécessaire avec toutes les demandes qu'on recevait de faire l'adaptation. Donc on a mis faire ça pour satisfaire déjà les lecteurs et en plus on voyait bien que ça pouvait coller à l'adaptation en série. Est-ce qu'il y a eu des éléments qui bon, forcément, un roman, c'est pas la même chose qu'un film. Donc, forcément, en écrivant, en essayant de l'adapter, on s'adapte aussi à l'écriture cinématographique. C'est normal. C'est une série à combien d'épisodes? Il y a 15 épisodes. Nous, on a fait 15 épisodes de 26 minutes. Voilà. Une saison. Parce qu'il y a 3 tomes dans le truc. Donc, on a commencé par la saison 1. Voilà. On espère attendre très bientôt la saison. La saison 1, c'est quoi comme 15 épisodes. Bon, je ne sais pas encore, on verra bien, mais elle sera bientôt disponible. Et qu'est-ce que vous avez mis à parler ce film? À travers ce film, que la vie est belle, qu'importe les difficultés que l'on peut avoir et tout, voilà, Hadiza va toujours garder ce sourire et croire au lendemain meilleur, c'est juste ça. Cette personne-là, bon, un harcèlement, on l'a toujours, soit de par sa beauté, de par sa profession, de par n'importe quoi, mais il faut savoir juste faire face à ça. Merci. Vera, de Tabouton, Coréa. Voilà, c'est une chef de Panera. C'est mon nom, mais bon. Voilà, c'était une belle expérience pour nous. Pour nous, en tant que technicien, mais aussi pour mes collègues qui est. Voilà, la collaboration était vraiment géniale pour elle, pour moi, pour l'équipe aussi. Comment est venue cette collaboration? Franchement, je ne saurais pas vous dire exactement c'est parti de là. En tout cas, c'est venu naturellement. Dès qu'on a commencé à parler du projet, c'est comme si voilà quoi, c'était décidé à nous. Il y a pas de... Ça arrive qu'on se casse un peu. Et après on s'en va. Non, c'est venu après. Alors, c'est pas venu en tant que depuis le début, quand on m'a contacté, c'était juste pour faire l'image. Mm-hmm. Et après, en cours de travail, je me suis rendu compte que voilà, c'était difficile, puisqu'il y avait plus son corps et la personne qui était prévue. Voilà, j'ai dit, après, on va commencer. Je n'ai pas vraiment eu de difficultés. J'ai été totalement à l'aise dans le rôle. Je me voyais un peu dans Hadija Badji, donc ça m'a plutôt aidé à pouvoir imprimer. Qu'est-ce qui fait que vous parlez bon, l'histoire, la beauté de Hadija qu'on décrit un peu, le fait que Hadija soit un peu harcelée, un peu qui attire un peu l'attention, même sans le vouloir vraiment, ce côté.
Il y a eu beaucoup d'émotions dans le film. Oui, beaucoup de pleurs, beaucoup de malheurs. Oui. Comment vous les avez vécues sur le plateau? Ça va, ça a été par contre le jeu d'émotions, c'est ce qui a été le plus dur. C'est ce qui a été le plus dur, mais on s'adapte avec des techniques. On nous aide à nous mettre dans la peau du personnage, d'imaginer l'histoire, de vivre l'histoire et après tout vient naturellement. Vous avez réussi tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes? Je ne dirais pas que j'ai très bien réussi mon rôle, mais pour une première expérience, je pense m'être bien débrouillée et je pense mieux faire. Et aujourd'hui, j'ai visualisé l'avant-première en même temps que tout le monde. J'ai vu un peu de quoi j'étais capable et je pense me perfectionner davantage. Si j'ai l'opportunité. Carrière. Merci à déjà. Deux ans.